Dans le monde criminel largement dominé par les hommes, un groupe restreint de femmes formidables s'est fait connaître en tant que membres de gangs impitoyables et redoutés qui ont commis l'impensable. Ces individus obscurs et puissants ont défié les normes sociétales et remis en question les attentes conventionnelles. Dans cette exploration vidéo, nous allons nous plonger dans les histoires captivantes et les règnes impitoyables des 10 femmes chefs de gang les plus redoutées, en mettant en lumière leurs motivations, leurs stratégies et les marques indélébiles qu'elles ont laissées dans les annales du crime organisé. Assunta Maresca, issue d'une famille de criminels appartenant au redoutable syndicat de la Camorra, l'histoire criminelle d'Assunta Pupetta Maresca est une histoire d'amour, de vengeance, de rébellion et de pouvoir. Pupetta, qui signifie « petite poupée », n'était pas seulement un surnom, mais le paradoxe du caractère d'Assunta, une femme d'une beauté et d'un charme remarquables, mais capable de commettre des actes qui ont effrayé même les criminels les plus endurcis de l'histoire de Naples. Élevée à Castellammare di Stabia, une ville située au sud de Naples, dans la région italienne de Campanie, Assunta était souvent le centre d'attraction des hommes, y compris d'un guapo camorrane local qui cherchait à l'épouser. Elle finit cependant par épouser Pasquale Simonetti, alias Pasquale E. Nola, qui travaillait sur le marché napolitain des fruits et légumes et faisait de la contrebande. Le style et le pouvoir de Simonetti dérangent les autres camorristi, qui commencent à ourdir un complot pour le faire tomber. Le 16 juillet 1955, Gaetano Orlando, un tueur à gages engagé par le camorrista rival Antonio Esposito, l'abat sur une place centrale de Naples. Assunta, alors enceinte de 6 mois, est dévastée. Poussée par le chagrin et la colère, elle cherche à se venger de ce meurtre atroce. C'est ainsi qu'elle exécute personnellement Esposito en plein jour, en lui tirant 29 balles d'une arme à feu sur la place publique, le 5 août 1955. Cet acte a scellé son nom dans l'histoire de Naples, la catapultant à un rang de respect profond et établissant sa réputation de figure intrépide au sein de la Camorra. À ce moment-là, lorsqu'un journal l'a surnommée « la diva du crime », beaucoup ne voyèrent plus en elle une veuve éplorée, mais un symbole de pouvoir et de rébellion dans un monde dominé par les hommes. Assunta ne se souciait pas des dangers de la criminalité. En fait, lors de son procès, elle a déclaré sans se repentir « je le referai ». Bien qu'elle soit ensuite allée en prison pour son crime, Pupetta n'a jamais cessé de traiter avec la Camorra. Après sa libération en 1965, elle a repris sa vie de criminelle, formé des alliances et étendu son influence, ce qui lui a valu le surnom de Madame Camorra. Madame Camorra, elle est ensuite tombée amoureuse d'Umberto Amaturo, un chef de la Camorra. Comme elle a l'habitude de commettre des délits, elle a soutenu le trafic de drogue d'Umberto Amaturo, entre autres délits. Assunta a également joué un rôle de cerveau dans une violente guerre de territoire entre factions criminelles rivales à Naples, où son groupe et ses rivaux se sont affrontés pour savoir qui contrôlerait diverses opérations criminelles à Naples. Cette guerre de territoire a donné lieu à une série d'activités violentes, notamment des fusillades et des attentats à la bombe, qui ont porté préjudice à la population locale. Selon les rapports, Madame Camorra a joué un rôle essentiel dans l'élaboration de la stratégie de domination de son groupe au cours de cette période. En 1982, elle a été arrêtée et emprisonnée pendant 4 ans pour extorsion de fonds et pour le meurtre d'un médecin légiste, crime qu'elle a nié avoir commis. Après sa libération, elle a vécu seule à Sorrento, une ville surplombant la baie de Naples. À la fin de sa vie, elle s'est détournée du monde criminel pour se consacrer à la gestion de magasins de vêtements. Le 29 décembre 2021, l'indomptable Assunta Maresca est décédée à son domicile de Castellammare di Stabia des suites d'une maladie. Stéphanie Sinclair. Cette afro-américaine au caractère bien trempé s'est attaquée à l'establishment politique et au chef de gang de New York, après avoir presque conquis le Harlem du XXe siècle. Née le 24 décembre 1886 à la Martinique, en Guadeloupe française, Stéphanie Sinclair a connu une enfance marquée par la pauvreté et les difficultés. En 1921, à l'âge de 15 ans, elle a immigré aux États-Unis à la recherche d'une vie meilleure à Harlem, dans la ville de New York. Déterminée à survivre dans l'environnement tumultueux de Harlem à l'époque de la Prohibition, Sinclair, qui sera plus tard connue sous le nom de Queen of the Policy Rackets, est devenue une figure de la clandestinité. Elle a d'abord vendu de la drogue avant de s'impliquer profondément dans le racket des numéros, une opération de jeu illégale consistant à parier sur des numéros tirés au sort. Dotée d'un sens aigu des affaires et d'un comportement intrépide, Madame Sinclair a rapidement gravi les échelons du monde criminel. Seule femme dans le secteur des jeux de chiffres, elle a créé sa propre entreprise de chiffres, en concurrence avec ses homologues masculins qui avaient la main mise sur le racket des chiffres. Grâce à son succès dans les jeux de chiffres, elle mène une vie somptueuse, gagnant plus de 20 000 dollars par an dans les années 1920. Clair était son engagement inébranlable en faveur de la communauté afro-américaine.
À une époque où la discrimination raciale était endémique et où la population noire ne pouvait pas investir son argent légalement en raison de l'oppression systémique, Madame Sinclair a utilisé son entreprise clandestine pour renforcer sa communauté. Non seulement elle a aidé les habitants noirs de Harlem à investir leur argent par le biais de la banque politique, mais elle a également fourni des emplois et un soutien financier à de nombreuses personnes à une époque où les difficultés économiques étaient généralisées. La réputation de Madame Sinclair en tant que dirigeante intrépide et attachée à ses principes lui a valu le respect et l'admiration de nombreuses personnes. Elle est devenue célèbre pour sa position inébranlable face à la mafia italienne, qui a tenté de l'intimider en usant de menaces et de violences. Lors d'un incident célèbre, elle a refusé de payer une protection à Dutch Schultz, un parrain de la mafia basé dans le Bronx, qui l'avait menacé de violence. Au lieu de cela, elle a attaqué les vitrines des entreprises qui géraient ses opérations de Paris et a informé la police à son sujet. La police a alors fait une descente chez lui, arrêté plusieurs de ses employés et saisi environ 12 millions de dollars, qui valent aujourd'hui plus de 190,6 millions de dollars. Elle s'est également heurtée à la police corrompue, qui l'a arrêtée sur la base d'accusations forgées de toutes pièces. Claire a réagi en témoignant devant la commission Seabury au sujet des pots de vin qu'elle avait versés à des policiers et à ceux qui avaient participé au jeu des chiffres de Harlem. À la suite de son témoignage, la commission a démis de leurs fonctions plus d'une douzaine d'officiers de police. Après s'être retirée du jeu des chiffres, Sinclair a épousé le soufi Abdulhamid. Leur mariage est cependant de courte durée et atteint son point de rupture lorsqu'elle découvre la liaison de Hamid avec la devineresse Dorothy Futham Matthews. En janvier 1938, Sinclair a tiré sur Hamid lors d'une dispute au sujet de sa relation avec Futham. Pour ce délit, elle est condamnée à une peine de 2 à 10 ans à la Bedford Hills Correctional Facility for Women à New York. Après sa libération au début des années 1940, Madame Quinn, comme beaucoup l'appelaient, a mené une vie retirée, passant d'une figure de la pègre à une femme d'affaires prospère légitime. En décembre 1969, Madame Sinclair serait décédée discrètement peu avant son 73e anniversaire. Elle était encore riche à l'époque, a vécu une vie très épanouie et est restée dans les mémoires pour sa contribution au bien-être des Afro-Américains aux États-Unis. Enedina Arellano Felix. Tous les chefs de gang ne sont pas enclins à recourir à la violence. Si vous vous demandez si cette affirmation est vraie, prenez Enedina Arellano Felix comme exemple des quelques personnes qui n'ordonneraient pas à leurs hommes de tuer parce qu'elles ont le pouvoir de le faire. Cette femme croit en des moyens plus pacifiques pour diriger une organisation puissante et prospère. Mais qui est-elle et qu'a-t-elle fait qui la différencie de la plupart des personnes figurant sur notre liste? Née le 12 avril 1961 dans une famille profondément ancrée dans le trafic de drogue, Enedina Arellano Félix est un baron de la drogue mexicain qui a fondé le cartel de Tijuana avec ses frères Francisco Javier, Carlos, Eduardo, Francisco Rafael, Benjamin et Ramón. Ses frères ayant dirigé le cartel pendant les années 1990, Enedina leur a servi de conseillère et de comptable logistique, les aidant dans le blanchiment d'argent et l'administration financière. Cependant, à la suite d'une série d'événements qui ont conduit à l'emprisonnement ou à l'assassinat de ses frères, la célèbre femme narco a commencé à diriger le cartel en 2008. Au cours des années suivantes, elle s'est imposée comme une force incontournable dans la hiérarchie des cartels mexicains, en tant que dirigeante exceptionnelle qui gérait les aspects commerciaux et financiers de son organisation et supervisait plusieurs alliances avec d'autres cartels. Également connue sous le nom de la Jefa, la patronne, et de la Madrina, la marraine, Enedina est une dirigeante d'un genre différent. Comme nous l'avons dit plus haut, la violence n'est pas son truc. Au contraire, beaucoup la connaissent pour son approche rationnelle des affaires et ses négociations pacifiques. Bien que l'on puisse dire qu'elle est aussi mauvaise que les autres membres de notre liste parce qu'elle vend des drogues qui ruinent la vie des gens, les rapports indiquent qu'elle n'ordonne jamais d'assassinat. Contrairement à ses frères, qui utilisaient l'ancienne approche violente pour diriger le cartel, la patronne des narcotiques a apporté une vision plus commerciale, utilisant les pots de vin comme arme principale tout en se concentrant sur le commerce de substances illégales. Si Enedina exerce incontestablement un pouvoir considérable, son empire criminel n'est pas exempt de défis et de menaces. Depuis 2002, après l'arrestation de Benjamin par les autorités mexicaines, le gouvernement mexicain continue de saper l'influence du cartel de Tijuana. Cependant, grâce au leadership exceptionnel de Benjamin, ils n'ont pas réussi à le détruire. Pour que son organisation reste pertinente, la patronne des narcos a forgé des alliances avec d'autres syndicats du crime. Elle entretient également des contacts historiques avec des fournisseurs de drogue colombiens, qui veillent à ce que son trafic de drogue reste ininterrompu et rentable. En 2023, Enedina, qui n'est plus qu'une figure de l'ombre, continue d'échapper à la capture.
On peut dire sans risque de se tromper que sa capacité à rester insaisissable alimente sa mystique et consolide son héritage de femme chef de gang redoutable. Bien que la Drug Enforcement Administration américaine la considère comme la première et l'une des rares femmes à diriger une organisation criminelle dans le monde, un rapport suggère qu'elle n'est pas une priorité pour elle, ni pour les autorités mexicaines. Il faut beaucoup de courage pour être une femme et posséder de tels pouvoirs. Vous ne trouvez pas ? Suivant. Claudia Ochoa Félix. Elle était belle, le genre de femme que n'importe quel homme donnerait beaucoup pour passer un moment avec elle. Habituée des boîtes de nuit des villes mexicaines de Mazatlán et Guadalajara, accompagnée de gardes du corps, elle semblait être une personne normale, profitant simplement de la vie. Cependant, sous son allure et sa beauté, se cachait un personnage au passé criminel sombre, y compris des assassinats meurtriers. Bien que ses affiliations et activités criminelles n'aient jamais été officiellement annoncées, beaucoup pensent que cette femme était un membre haut placé de l'un des groupes criminels les plus importants et les plus violents du Mexique, le cartel de Sinaloa. Comme on peut s'y attendre de la part d'une personne d'un tel rang au sein du groupe, elle devait inspirer le respect et la peur dans une égale mesure. Connue sous le nom d'impératrice d'Anthrax, Madame Ochoa Félix, mannequin et influenceuse en ligne, est devenue célèbre sur les réseaux sociaux en 2014 pour avoir posté des photos d'elle brandissant des AK-47 roses et dorées, arborant des sacs à main de marque et voyageant avec style à travers le monde. À l'époque, les journaux mexicains ont laissé entendre qu'elle dirigeait Los Anthrax, un groupe armé puissant et impitoyable du cartel de la drogue de Sinaloa. Selon les rumeurs, Ochoa Félix n'était qu'un jeune et beau mannequin qui menait une vie normale jusqu'à ce qu'elle épouse E.I. Chavo Félix, un trafiquant de drogue travaillant pour le cartel de Sinaloa, avec qui elle a eu 3 enfants. À la suite de son association avec cet homme, la jeune mannequin est entrée dans le monde du crime organisé, devenant un assassin pour le cartel. Après que les autorités néerlandaises ont arrêté le chef de Los Anthrax, José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias El Chino Anthrax, le 30 décembre 2013, Claudia serait devenue le chef du groupe et aurait supervisé une grande partie de ses opérations. Bien qu'elle ait nié les allégations d'implication dans une quelconque organisation criminelle, les qualifiant de lâches mensonges et calomnies, la réputation de Claudia est restée entourée de controverses et de suspicions. Outre la publication sur ses comptes de médias sociaux de photos provocantes, la montrant en train de brandir des armes ou en compagnie de gardes du corps masqués et armés, elle aurait commis de nombreux assassinats pour le compte d'El Chapo, le chef du cartel de Sinaloa de l'époque. Selon Blog del Narco, qui relate la brutale guerre de la drogue au Mexique, Claudia a échappé à une tentative d'assassinat en mai 2014, au cours de laquelle une autre femme, prise pour elle, a été tuée. On peut supposer que l'échec de sa tentative d'assassinat n'a fait qu'accroître le mystère qui l'entoure. Cependant, alors que l'histoire de Claudia continuait à se dérouler, elle a pris une tournure fatale que personne n'aurait pu prédire. En septembre 2019, les autorités ont appris qu'elle était morte dans des circonstances mystérieuses après avoir découvert son corps nu et sans vie dans une maison à Isla Musala, Culiacán. La nuit précédant sa mort, elle était allée en boîte de nuit avec un homme et était rentrée tard au domicile où ils avaient dormi. Lorsque l'homme a essayé de lui parler le matin, elle n'a pas répondu, ce qui l'a incité à appeler la police. Bien qu'aucune déclaration officielle confirmant la cause de sa mort n'ait été publiée, certains rapports suggèrent qu'elle pourrait avoir succombé à une overdose. D'autres, en revanche, indiquent qu'elle est morte d'une aspiration pulmonaire. Cependant, de nombreuses personnes continuent d'affirmer qu'elle a été assassinée en raison de ses liens avec un cartel de la drogue. Ma Barker, décrite comme le cerveau criminel le plus vicieux, le plus dangereux et le plus ingénieux. Kate Barker, alias Ma Barker, était l'une des femmes les plus redoutées en raison des activités criminelles atroces de son fils entre le début des années 1910 et le milieu des années 1930. Née Arizona Donnie Clark, le 8 octobre 1873, Ma a épousé George Barker, avec qui elle a eu 4 fils, Herman, Lloyd, Arthur et Fred. En élevant ses garçons, Ma leur a appris que les hors-la-loi étaient des héros. Elle ne les a jamais réprimandés lorsqu'ils commettaient une faute et n'a pas laissé son mari faire de même. En conséquence, ses 4 garçons se sont déchaînés et ont grandi pour devenir des criminels. Au début de leur vie criminelle, les Barker, avec le soutien de Ma, se sont d'abord livrés à la destruction de biens, à des larcins et à des cambriolages. Ayant réussi dans ce qu'ils faisaient, ils sont ensuite passés au vol à main armée et à l'enlèvement, accompagnés de violences et de meurtres. Les enfants de Ma ont fait tellement de ravages que leur notoriété a atteint des proportions légendaires aux États-Unis. Partout où ils sont allés, le chaos s'est installé, suivi de l'intrigue et de l'horreur qui accompagnent inévitablement des actes aussi odieux. Malgré les preuves de leurs crimes, Ma les a fortement soutenus et aidés, tout en insistant toujours sur l'innocence de ses garçons.
En fait, elle était tellement dévouée à ses garçons qu'elle a fait tout son possible pour les sortir de prison chaque fois que la police les a arrêtés pour vol, vol de voiture et meurtre entre 1951 et 1927. En 1920, Ma aurait aidé son troisième fils Arthur et plusieurs prisonniers à s'échapper de la prison du comté de Tulsa à l'aide d'outils qu'elle aurait introduits clandestinement dans l'établissement. Après que son fils Fred a formé le célèbre gang Barker Karpis avec le criminel d'origine canadienne Alvin Karpis, le gang, rejoint plus tard par Arthur après sa sortie de prison, s'est livré à plusieurs crimes odieux, dont beaucoup ont été commandités par Ma, selon la police. Tout en terrorisant une grande partie du Midwest, le gang aurait gagné entre 1 et 3 millions de dollars. Après que le gang a tué un shérif lors d'un vol à West Plains, Missouri, en 1932, la police l'a inscrite, ainsi qu'Arthur, Fred et Karpis, sur sa liste de personnes recherchées. Pour éviter d'être capturé, le gang Barker Karpis s'est installé à Saint-Paul, dans le Minnesota, où il s'est livré à des enlèvements très médiatisés qui ont rapporté plusieurs milliers de dollars. Plus tard, hanté par le FBI, Ma, Fred et Karpis s'enfuient en Floride, où ils s'installent dans une maison isolée de 2 étages louée près du lac Weir, à Oklahoma. Ma s'est alors fait passer pour Madame Kate Blackburn, une gentille petite vieille qui voulait vivre dans un climat chaud avec ses fils adultes. Le FBI a découvert leur emplacement grâce à une carte récupérée sur Arthur, qu'il a arrêté à Chicago au début du mois de janvier 1935. Le 16 janvier 1935, des agents du FBI ont encerclé leur cachette et leur ont ordonné de se rendre. À ce moment-là, seuls Ma et Fred, qui ne voulaient pas se rendre, se trouvaient dans la maison de location. Armé d'une mitraillette, Fred a ouvert le feu sur les agents, ce qui a entraîné une fusillade d'une heure qui s'est soldée par sa mort. Plus tard, la police a découvert le corps de Ma à côté de celui de Fred, criblé de balles, dans la chambre avant de la maison. Les rapports suggèrent qu'elle est morte d'une seule blessure par balle. Bien que la police l'ait largement décrite comme le cerveau criminel à l'origine de nombreuses activités criminelles du gang Barker Karpis, nombreux sont ceux qui contestent le fait qu'elle ait jamais planifié l'une d'entre elles. Judy Moran. Judy Moran, autrefois symbole de la pègre de Melbourne, a attiré l'attention du public non pas par ses crimes, mais par la mort violente de ses fils et de son mari lors des meurtres perpétrés par les gangs de Melbourne. La descente de cette matriarche dans le monde du crime l'a fait passer du statut de membre d'une famille en deuil à celui de meurtrière condamnée, mettant en lumière une vie turbulente marquée par la tragédie et la violence. Née le 18 décembre 1944, cette matriarche de la famille criminelle Moran a des racines déjà teintées d'un soupçon de rébellion pendant son enfance. Comme son père, qui avait de mauvaises habitudes, Judy était aux prises avec plusieurs. Son parcours vers la notoriété criminelle a été marqué par plusieurs activités néfastes. Au lieu d'être une simple observatrice, elle a activement participé à la planification et à la réalisation de ses crimes. Parfois, elle était à la tête de ses entreprises criminelles. Un exemple glaçant de son implication dans des activités criminelles est son rôle dans les guerres de gangs de Melbourne, entre janvier 1990 et août 2010. Les activités criminelles de Judy allaient au-delà de l'orchestration de la violence et des règlements de comptes. Elle était également liée à des opérations de trafic de drogue, contribuant à la circulation de substances illicites à Melbourne. Le trafic de drogue n'a pas seulement alimenté sa richesse, il a aussi renforcé sa redoutable réputation. Tirant parti de la réputation de criminel violent de ses fils, Judy aimait semer le trouble et obtenir ce qu'elle voulait. Alors que l'ancienne danseuse recherchait perpétuellement l'attrait des feux de la rampe, sa véritable source d'influence provenait des ombres sombres de la criminalité. Lorsqu'un criminel local a osé défier Judy, il a rapidement découvert la protection inébranlable de ses fils, Mark et Jason Moran. Ils lui ont rendu visite tard dans la nuit et l'ont brutalement battu, ce qui l'a conduit à l'hôpital. À une autre occasion, lorsqu'un débitant de boissons a tenté de l'expulser de sa maison de Warrnambool, elle a menacé de demander à son fils Jason de s'occuper de lui. Fidèle à ses paroles, Jason s'est rendu à la maison pour rappeler à plusieurs habitants que sa mère était une espèce protégée. Comme on dit, tout ce qui a un début a une fin. Dans le cas à présent, le règne de terreur suprême de Judy a connu une fin abrupte. Tout d'abord, elle a perdu ses 2 fils, tous 2 assassinés. Ensuite, la police l'a arrêtée dans le cadre du meurtre de son beau-frère, Desmond Tuppence Moran, en juin 2009. Ce meurtre a encore sali l'image de Judy, la présentant comme un acteur clé du monde criminel, capable d'une extrême violence. Les autorités l'ont inculpée puis condamnée pour ce meurtre. Elle a été condamnée à une peine de 26 ans, avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 21 ans. Une fois derrière les barreaux, l'influence de Judy s'est affaiblie. Pourtant, sa réputation de femme la plus redoutée du crime organisé de Melbourne persiste. Aujourd'hui âgée de 78 ans, elle n'est plus qu'une pâle relique de la figure énigmatique qui inspirait autrefois la peur dans le cœur de nombreuses personnes.
Jamaker Thompson. Connue sous le nom de Queen Pin, Jamaker Thompson, une baronne de la drogue intelligente, a utilisé ses capacités astucieuses pour déjouer ses rivaux, ce qui lui a permis de dominer le commerce du crack dans les années 1980. À ce jour, ses exploits criminels et sa montée en puissance dans le milieu du trafic de drogue restent légendaires. Jamaker a commencé sa vie à Los Angeles, en Californie. Élevée dans le tristement célèbre quartier de South Central, elle a été témoin des défis et des difficultés de sa famille et de sa communauté, en proie à la pauvreté et à la criminalité. La carrière criminelle de Madame Thompson a commencé au lycée, où elle vendait de la drogue avec son petit ami de l'époque, Anthony Daff Mosley. Après s'être mariée en 1980, elle et Daff ont mis en place un réseau de distribution de crack et ont commencé à inonder les rues de Los Angeles avec cette substance. Il ne fait aucun doute que leur trafic de drogue a connu un essor fulgurant, leur rapportant suffisamment d'argent pour leur permettre d'acheter une maison à Encino, en Californie. Daff, cependant, ne vivra pas longtemps pour profiter de leur richesse, car il a été brutalement assassiné le 23 novembre 1984. Après sa mort, Thompson a commencé à développer le commerce de la drogue. En plus de recruter des distributeurs dans de nombreuses villes américaines, elle a commencé à s'approvisionner en cocaïne directement auprès de producteurs colombiens. À 26 ans, elle avait une entreprise de perruques et de distribution d'extensions capillaires. Bien qu'elle ait déclaré que cette activité était légitime, les autorités ont affirmé qu'elle l'utilisait pour blanchir l'argent de la drogue. À l'époque, l'ambition de Madame Thompson ne connaissait pas de limites. Elle s'est rapidement hissée au sommet du commerce de la cocaïne, faisant preuve d'un talent de meneuse et d'une capacité étonnante à naviguer sur le terrain périlleux du commerce de la drogue. À la fin des années 1980, au plus fort de l'épidémie de crack, Queen Pin s'était taillé une formidable réputation de baron de la drogue avisé et au sommet de son art. À son apogée, le réseau de distribution de drogue de Madame Thompson a rapporté des millions de dollars par an, faisant d'elle l'un des barons de la drogue les plus riches des États-Unis entre la fin des années 1980 et le début des années 1990. Malgré cela, elle est restée relativement discrète. Contrairement à de nombreux barons de la drogue très en vue qui font étalage de leurs richesses, Queen Pin opérait discrètement, évitant l'extravagance tape à l'œil souvent associée aux barons de la drogue. Néanmoins, la dame de la drogue était dans le collimateur des autorités. Après que la police a arrêté son associé Percy Cheese Bratton avec des kilos de cocaïne, ce dernier a conclu un accord avec elle qui prévoyait de fournir les preuves nécessaires pour l'inculper. Ayant appris de ses sources l'existence d'une enquête fédérale à son encontre, Madame Thompson s'est cachée pendant 2 ans, laissant son fils Anthony Mosley à sa mère. En 1993, cependant, la police l'a arrêtée lors de la cérémonie de remise des diplômes de 6e année de Mosley. Après son arrestation, Queen Pin a été accusée de conspiration en vue de distribuer de la cocaïne et de 5 chefs d'accusation pour blanchiment d'argent. Elle a finalement été jugée, reconnue coupable des charges retenues contre elle et condamnée à 15 ans de prison, dont 13 ans ont été purgés. En 2005, après avoir passé 13 ans dans une prison de haute sécurité sous le nom de Griselda Blanco, elle goûte à nouveau à la liberté, cette fois en tant que femme transformée qui a embrassé le christianisme pendant son incarcération. Quittant le monde de la criminalité et s'engageant sur la voie de la rédemption et de la découverte de soi, Thompson a fondé les Second Chance Evangelical Ministries et est devenue pasteur évangélique. En racontant sa propre histoire, elle a écrit des mémoires intitulées « Queen Pin » pour mettre en lumière les dures réalités du commerce de la drogue et les conséquences qu'il entraîne. Maria Licciardi. Sans doute la femme la plus puissante de l'histoire du crime organisé en Italie, Maria Licciardi était une femme que beaucoup craignaient et respectaient. Née le 24 mars 1951, Madame Licciard, également appelée « la Madrina », La marraine a dirigé le clan Segondigliano au sein du groupe criminel de la Camorra de 1993 à 2001. Son ascension au sommet a coïncidé avec l'accession des femmes au poste de direction du syndicat à une époque où les hommes étaient arrêtés, emprisonnés ou tués. À l'époque, les femmes des chefs mafieux aidaient leurs maris à couper et à emballer la cocaïne et l'héroïne à la maison, en plus d'accomplir les tâches familiales traditionnelles telles que la cuisine, le ménage et l'éducation des enfants. Alors que les hommes s'occupaient principalement de l'aspect violent des choses, les femmes comme Licciardi étaient habiles à proférer des menaces, à extorquer de l'argent aux victimes et à gérer les opérations de vente de drogue. En ce qui concerne son parcours, Madame Licciardi a grandi dans une famille très impliquée dans le syndicat de la Camorra. Son père était un guapo bien connu, c'est-à-dire un chef de clan qui exerçait beaucoup de pouvoir au sein de la Camorra. Après la capture de son frère Garnaro par la police, elle a pris le contrôle en tant que madrina, ou marraine de son clan, dont elle supervisait les activités, notamment le trafic de drogue, la contrebande de cigarettes, l'extorsion et la prostitution.
Grâce à son intelligence et à son pragmatisme, Madame Lixiardi a pu naviguer dans les eaux de la Camorra, s'engageant souvent dans des discussions avec divers patrons masculins de la Camorra, écoutant, débattant et prenant des mesures en tant qu'égale de ces derniers. À la fin des années 1990, Madame Lixiardi a gagné la confiance des guapos de 20 factions criminelles en guerre au sein de la Camorra napolitaine. Grâce à ses talents de négociatrice, elle les a persuadés d'éviter les conflits et d'opter pour l'unité afin d'éviter les effusions de sang et d'accroître les profits. Sous sa direction, la Camorra achetait souvent des filles, souvent mineures, à la mafia albanaise pour 2000 dollars, les forçant à se prostituer. Son influence sur Naples, et c'est tout à son honneur, a permis à la ville de ne pas connaître de meurtres liés à la mafia pendant plusieurs mois. Néanmoins, une guerre des gangs éclate après que Lixiardi a rejeté une importante cargaison d'héroïne en provenance d'Istanbul parce qu'elle était trop puissante pour être utilisée sans danger et qu'elle a ordonné qu'elle soit renvoyée. Le clan rival, Lorusso, défiant ses ordres, s'est emparé de l'approvisionnement en héroïne et a vendu la poudre mortelle dans de petits sacs. Tragiquement, l'état pur de l'héroïne a entraîné la mort de près d'une douzaine de toxicomanes dans les rues de la ville. Devant l'indignation générale suscitée par ces décès, les autorités ont appréhendé et emprisonné plusieurs membres connus de la Camorra. L'alliance fragile que Lixiardi avait établie s'est alors effondrée. Peu après, des clans rivaux de la Camorra se sont rebellés et ont abattu plusieurs membres du clan de Lixiardi. En représailles, Lixiardi aurait fait tuer jusqu'à 30 personnes. C'est à cette époque que les autorités ont pris conscience de son existence et l'ont poursuivi. En 1999, la police a tenté de l'arrêter lors d'une réunion de 13 chefs mafieux. Lixiardi s'est cependant échappé, devenant une fugitive après avoir été inscrite sur la liste des 30 Italiens les plus recherchés. Tout en se cachant, elle a poursuivi ses activités criminelles dans l'ombre, allant jusqu'à bombarder le bureau du procureur Luigi Bobbio pour le dissuader d'enquêter sur les activités de son clan et d'arrêter les poursuites à l'encontre des membres de son clan. Le 14 juin 2001, la police a arrêté Madame Lixiardi alors qu'elle se trouvait à bord d'une voiture dans les environs de Melito, près de Naples. Elle a immédiatement été condamnée à une peine de prison, qu'elle a purgée jusqu'en 2009, date à laquelle elle a été libérée. Le 7 août 2021, la police l'a de nouveau arrêtée en raison de son mode de vie criminel. Depuis lors, la marraine reste en prison, où elle subit les dures conditions d'isolement imposées par la loi italienne aux mafiosi condamnés. Thelma Wright. Dans l'ombre des territoires de la drogue de Philadelphie, Thelma Wright s'est taillé un nom synonyme de pouvoir et de peur. Émergeant des cendres de l'empire de la drogue de son mari, elle n'a pas seulement hérité d'un héritage, elle l'a embrassé. Pendant son séjour dans le milieu de la drogue, Madame Wright a mené une vie aussi chaotique qu'extraordinaire, ce qui a fait d'elle l'une des femmes chefs de gang les plus redoutées. Née le 17 avril 1947, Madame Wright a grandi dans un monde à part, loin des ombres qui la caractériseront plus tard. La mort prématurée de son mari, Jackie Wright, figure emblématique du trafic de drogue, a été un tournant qui l'a plongée dans le monde du trafic de drogue et de la quête de pouvoir. Jackie a fait découvrir à Wright le monde passionnant de la drogue et tout le luxe qui en découle. C'est pourquoi, après qu'il a été abattu en août 1986, elle a considéré que la poursuite de l'activité de son mari était le seul moyen de gagner suffisamment d'argent pour s'occuper de son fils et lui donner la meilleure éducation possible. S'arrogeant le titre de « Boss Lady », Thelma a tiré parti des relations de son mari avec l'impitoyable Black Mafia, un gang de rue réputé pour ses actes violents. Contrairement à Jackie, qui s'exposait à de nombreux dangers, Thelma se déplaçait de manière plus sûre. Déterminée à réussir dans le commerce de la drogue, elle dirige une grande organisation qui opère depuis Philadelphie et transporte d'importantes quantités de cocaïne et d'héroïne entre Los Angeles et Philadelphie, étendant ainsi son influence à l'ensemble des États-Unis. Avec le temps, son nom est devenu un emblème de crainte et de respect, car elle s'est lancée dans des opérations typiquement dominées par les hommes, ce qui lui a valu le formidable titre de Queen Pen. Le règne de Thelma se caractérise par un équilibre entre terreur et respect. Grâce à l'essor de ses affaires au-delà de Philadelphie, Thelma Wright réalisait un bénéfice mensuel d'environ 400 000 dollars, ce qui lui permettait de mener un train de vie somptueux, caractérisé par des jets privés, des voitures de luxe et des vacances exotiques, consolidant ainsi son statut de femme chef de gang la plus riche de son époque. Cependant, plusieurs années après le début de sa vie criminelle, Wright a frôlé la mort en juillet 1999, ce qui a marqué un tournant pour Thelma. Prise dans le feu croisé d'une fusillade entre gangs à la boîte de nuit Studio West, elle a vu la vie défiler devant ses yeux, mais un de ses associés est mort au cours de l'incident. Après avoir assisté à l'arrestation et à la mort de plusieurs autres associés, elle a eu l'impression que les murs se refermaient sur elle.
Ces événements terribles, associés à la naissance de son fils Jakiem, ont alimenté son désir d'abandonner sa vie criminelle en 1991 et de rechercher une vie plus sûre et plus stable. Pendant des années, Madame Wright s'est tenue à l'écart de la scène publique et a gardé le silence sur son passé. En 2009, elle a commencé à travailler pour une organisation à but non lucratif, gérant des propriétés pour des femmes souffrant d'addiction et de problèmes de santé mentale. En 2011, elle a publié des mémoires intitulées « With Eyes from Both Sides, Living My Life in and Out of the Game », dans lesquelles elle s'est ouverte sur son passé et sur son parcours de la criminalité à la rédemption. « Lorsque je me déplace et que je parle aux gens », a-t-elle écrit, « je leur dis qu'ils doivent rester à l'écart de ce jeu. Vous ne gagnerez pas. Il n'y a rien à gagner. Deux options, la mort ou la prison. Deux options, la mort ou la prison. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. » Sandra Avila Beltrán. Figure redoutable du trafic de drogue en Amérique du Sud, dominée par les hommes, Sandra Avila Beltrán, alias Reine du Pacifique, est l'une des femmes chefs de gang les plus redoutées de son époque. Née le 16 octobre 1960 d'Alfonso Avila Quintero, un membre de la famille de l'ancien chef du cartel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, ses relations familiales ont joué un rôle crucial dans sa carrière criminelle. Beltrán, motivée par l'attrait de la richesse, de la célébrité et du pouvoir, a cherché à laisser une trace dans le monde de la drogue. Dans sa jeunesse, elle aurait eu des relations amoureuses avec plusieurs grands barons de la drogue, dont l'ancien chef du cartel de Sinaloa, El Chapo. Elle a ensuite épousé deux anciens commandants de police devenus trafiquants de drogue, qui connaissaient les tenants et les aboutissants du système d'application de la loi. Ces relations lui ont permis d'avoir de bons contacts en haut lieu, ce qui l'a souvent aidé à déjouer les forces de l'ordre et les gangs rivaux. En tant que trafiquante de drogue, Beltrán savait comment naviguer dans les eaux traîtresses du monde de la drogue. Ce qui distinguait cette femme de la drogue de ses homologues masculins, ce n'était pas seulement son sexe, mais aussi son intelligence stratégique et sa détermination inébranlable à réussir là où beaucoup avaient échoué. À son apogée, la maîtresse du crime a aidé le cartel de Sinaloa à faciliter les expéditions de drogue à grande échelle à travers l'Amérique du Sud et les États-Unis. Elle a ainsi accumulé une fortune et une influence considérable, ce qui lui a permis de mener la vie huppée qu'elle avait toujours souhaitée. Cependant, la notoriété de Beltrán a eu un prix élevé. Ses activités criminelles ont laissé dans leur sillage une traînée de violence et de destruction, et d'innombrables vies ont été perdues à cause de ses ambitions. Selon les services de la DEA, cette femme n'hésitait pas à recourir à la violence inhérente au commerce de la drogue et utilisait les tactiques d'intimidation typiques des organisations mexicaines. Malgré le danger qui l'entoure, Beltrán a échappé à la capture pendant de nombreuses années, utilisant son expérience et ses vastes ressources pour garder une longueur d'avance sur la loi. Sa nature insaisissable n'a fait que renforcer sa mystique et l'aura de peur qui entoure son nom. Les services chargés de l'application de la loi aux frontières entre les États-Unis et le Mexique ont intensifié leurs efforts pour la traduire en justice, mais elle est restée une cible difficile à atteindre. Comme vous le savez, tout a une fin. Et même les criminels les plus invincibles sont un jour confrontés à l'heure des comptes. Le 28 septembre 2007, c'était son jour de jugement. Après plus de 4 ans d'enquête sur elle à la suite de l'enlèvement de son fils en 2002, des agents fédéraux l'ont arrêtée à Mexico, en compagnie de son petit ami de l'époque, Juan Diego Espinoza, membre du cartel du Norte del Val. La capture de Madame Beltrán a marqué la fin d'une époque dans le trafic de drogue en Amérique du Sud. Après que la police l'a accusée de blanchir l'argent de milliards de dollars de drogue acheminés de Colombie au Mexique, son procès est devenu un spectacle mondial, attirant l'attention sur l'immense pouvoir et l'influence exercée par les femmes chefs de gang dans le crime organisé. À la suite d'une condamnation, Madame Beltrán a été incarcérée à la prison pour femmes de Santa Marta à Catitla, où elle est restée jusqu'en août 2012, date à laquelle les autorités mexicaines l'ont extradée vers les États-Unis. Les autorités américaines l'ont inculpée, reconnue coupable et condamnée à 70 mois de prison pour complicité de trafic de stupéfiants. Après avoir été expulsée vers le Mexique en août 2013, les autorités mexicaines l'ont immédiatement arrêtée, puis condamnée à 5 ans de prison supplémentaire pour blanchiment d'argent. Après avoir passé 7 ans en prison, dont 2 en isolement, Madame Beltrán a quitté la prison en 2015 et s'est installée à Guadalajara, où elle vivrait toujours. Griselda Blanco. Peut-être la femme narco la plus impitoyable de l'histoire, Griselda Restrepo Blanco a régné sur le trafic de drogue à Miami dans la terreur et le sang. Sa notoriété en tant que tueuse impitoyable et passeuse de drogue rusée, responsable d'une opération d'importation illicite de cocaïne d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, a d'ailleurs inspiré plusieurs films et documentaires. Comme vous le savez, même les criminels les plus vils ont des débuts quelque peu innocents. Et Blanco ne fait pas exception à la règle.
Née le 14 février 1943 à Cartagène, en Colombie, cette femme a grandi en menant une vie quotidienne à l'écart de la criminalité. Ce déménagement l'a exposée à un mode de vie criminel dès son plus jeune âge, marquant le début de son point de non-retour avec la criminalité. En ce qui concerne ses premières activités criminelles, Blanco, à l'âge de 11 ans, aurait kidnappé, tenté d'obtenir une rançon et finalement abattu un enfant d'un quartier proche du sien. Avant d'atteindre l'âge de 13 ans, elle s'était déjà tournée vers le vol à la tire pour survivre. À 19 ans, Blanco s'est enfui de chez elle pour échapper aux abus sexuels du petit ami de sa mère et s'est mise à voler à Medellín jusqu'à l'âge de 20 ans. À cette époque, Blanco s'intéresse au commerce de la drogue. Après avoir immigré illégalement aux États-Unis en 1964, elle s'est enfuie en Colombie à la suite d'une inculpation pour association de malfaiteurs dans le domaine de la drogue. Cependant, elle est revenue aux États-Unis à la fin des années 1970, s'est installée à Miami et a créé un vaste empire de la cocaïne avec des opérations de grande envergure dirigées par le cartel de Medellín. Pendant qu'elle était à la tête des affaires, l'empire de la drogue de Madame Blanco s'est développé à l'extrême. À son apogée, entre les années 1970 et 1980, elle est devenue la première femme criminelle milliardaire de l'histoire, gagnant 80 millions de dollars par mois grâce à la contrebande de cocaïne de la Colombie vers les États-Unis. Au cours de cette période, la marraine de la cocaïne, comme on l'appellera plus tard, s'est fortement impliquée dans les violences liées à la drogue, surnommées les guerres des cowboys de la cocaïne, qui sévissaient dans la ville de Miami. À l'époque, sa réputation de narco impitoyable et sanguinaire a fait couler beaucoup d'encre, ce qui lui a valu la crainte de ses rivaux et de ses associés. Blanco n'a pas accepté de réponse négative, et vous n'avez pas intérêt à la doubler. Bien que les rapports suggèrent qu'elle n'a jamais tué personne de ses propres mains, elle a ordonné des centaines d'assassinats, entraînant le meurtre de 250 à quelques 2000 personnes, y compris un enfant de 2 ans. Pour protéger son commerce de drogue à tout prix, Blanco a tué tous ceux qu'elle considérait comme des problèmes, y compris au sein de sa propre organisation. Même ses 3 premiers maris n'ont pu échapper à sa fureur vengeresse. La marraine de la cocaïne a orchestré leur mort, ce qui lui a valu son surnom tristement célèbre de veuve noire. Lorsqu'elle ne tuait pas ses victimes sur le coup, elle prenait plaisir à les regarder se faire torturer. Un autre aspect de Blanco qui l'a rendue célèbre et redoutée est son penchant pour la débauche. Outre ses fréquentes orgies, elle forçait souvent des hommes et des femmes à avoir des relations sexuelles sous la menace d'une arme. Ceux qui refusaient d'obtempérer embrassèrent la balle. Bien que les autorités américaines l'aient arrêtée le 17 février 1985 et l'aient condamnée à une peine de prison, Madame Blanco a continué à faire l'objet de batailles juridiques en raison de ses nombreux actes atroces. En 2004, elle a été libérée et expulsée vers la Colombie, où elle est restée jusqu'à sa mort. Le 3 septembre 2012, à l'âge de 69 ans, un assassin l'a abattue de 2 balles devant une boucherie de Medellín, marquant ainsi la fin de l'un des chefs de gang les plus redoutés de l'histoire. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche actuellement sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos intéressantes.